Salut tout le monde, c'est Orenzia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec notre ami à tunique verte. Je veux parler de Link sur Breath of the Wild. C'est parti les amis. Donc oui les amis, on est toujours sur Legend of Zelda. Et aujourd'hui, ça va être encore une journée peinard, promenade. On va faire une première... En fait, non. On va pas faire une première quête. On était parti sur un sanctuaire. Mais justement, on va faire une quête qui... Oui, je vais vous le dire. Qui parle d'alcool. Apparemment, c'est un alcool bien spécifique puisque c'est l'alcool des Gerudo. Alors, c'est parti, les amis. On va chercher de la glace. En avant. Hey, les amis. J'espère que vous allez bien, on se retrouve toujours sur Breath of the Wild et nous allons battre la campagne, on va aller se balader un petit peu, on va aller faire quelques sanctuaires, celui-là son sanctuaire c'était un sanctuaire qui avait une course de morse des sables, rien d'extraordinaire mais sympathique. Donc la première chose à faire c'est déjà on va mettre les bottes de sable parce que c'est lent, et oui quand on est lent c'est pénible. Donc direction, alors je vais pas prendre de morse des sables, hein, j'ai pas envie. J'ai envie de, ouais, de chercher, de me balader avec vous, on se promène. Donc on a une lance, c'est quoi comme lance déjà? Une lance des bois, mais je sais plus c'est quoi. Une lance des sylvains. Oh, comme t'es pas beau, viens là toi. Crac. Ouais, enfin un os, non j'aurais pas. Moi ce qui m'intéresse c'est ça, voilà. Alors hop, on peut pas sauter plus haut, dommage, à part abattre le cactus, et ça serait dommage de battre un cactus, ou de l'abattre plutôt, battre ou abattre, c'est pareil. Alors je suis, waouh, ils sont vifs hein, pour être des squelettes, ils sont vifs. J'ai vu un ennemi de ouf, je suis juste avant de faire cette vidéo, enfin je comptais faire cette vidéo justement pour aller de ce côté là, mais c'était un ennemi non de ouf, hein. C'était un espace, on n'est pas chez Renault, un espèce de ver des sables gigantesques qui t'avale de sous le sable, en fait ça fait penser à un vieux film que j'avais connu quand j'étais enfant, tu sais, je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas le film T'es mort ou un truc comme ça, je sais plus, bref. Et ouais, le truc il est énorme, une espèce de grosse bête, moi il m'a flingué hein, évidemment, vous savez ce que c'est quand on n'est pas assez fort, et ben on succombe, et quand on succombe, ben, ça fait pas plaisir du tout. Et puis heureusement que les sauvegardes sont là hein, pour t'aider dans tout ça, dans tes problèmes de survie dans le désert. Donc là on va faire, ouais, comme je vous l'ai dit, hein, on va se balader. Aujourd'hui c'est une vidéo détente, une vidéo où on court un petit peu, on essaie d'apprivoiser le désert, tu vois. On est bien, regarde comment c'est beau, regarde comment c'est beau tout plein. Ah, avec notre ami là, juste là, Naboris. Bon, on voit pas Ruta de là où on est, mais... Ah, il y a un sanctuaire. Ah oui, c'est... Il y a un sanctuaire. Comme si je savais pas. Hein? Comme si je savais pas. Je voulais faire... J'avais tout répertorié, comme les deux vidéos précédentes, tu sais, avec la quête des souvenirs. Là, je suis sûr qu'il y a un truc à faire, là. Je suis sûr et certain. C'est bizarre qu'il y ait autant de... Je sais pas ce que c'est. Des pierres plantées dans le sable, ouais. Bon. Et donc, les amis, c'est pour ça que j'avais tout fait comme les deux vidéos précédentes. J'ai trouvé ça pas mal. Ça me permettait de faire une vidéo plus concrète. Ça vous permet de vous mettre à ma place, de voir un peu ce qui se passe. Pour aller d'un point A à un point B, évidemment. Et en plus de ça, bah voilà, ça fait un contenu qui est assez cool, tu vois. Ah bah, il y a un truc là. D'accord, donc là c'est. D'accord, il y a une pierre au milieu, donc il faut une seule pierre ou pas? Il n'y en a qu'une là apparemment qui manque. Allez. Hop. Allez. Et voilà. Bon après c'est pas très bien mis. Hein. J'aurais pu mieux faire quand même.
Bonjour mon petit Korogu. Allez, donc là il doit y avoir un... Voilà. On va aller se faire ça. Ah bah. Qu'est-ce qui... Mais pousse-toi de ma stèle, toi. Alors... Ah... Ma gorge est si sèche que... Oups. Je peux à peine bouger. Tu te fous de moi, quoi? Juste une dernière. Une dernière quoi, petite lampée d'un Vaimet Voy. C'est quoi, ça? Oh là là, mais pousse-toi, pousse-toi, non. Madve, je sais pas ce que c'est. Allez, on s'en fout, allez, vas-y. Donc alors, c'est quoi cette quête, là, encore, à la mort moelleux, là? Non, c'est pas cette quête. Relais de Nord, Gilgrand, Domaine Zora. C'est une quête comment, je sais pas, du... Non, bah alors... Ah bah non, c'est quoi comme relais Gerudo? Vous avez trouvé une Gerudo à moitié inconsciente? Je vais vous apporter une potion qu'elle aimerait boire, le Vaimet Voy. Ouais, enfin, ouais. Bon, déjà, on va aller, tiens, tu sais quoi? On va aller chercher à l'autre sanctuaire qui est répertorié. Oh, mais qu'est-ce? Des loups des sables. C'est bien des loups des sables, je les ai pris en photo ou pas? Oui, des coyotes. Ah, hop, il y a du calme. Hein? Commence pas à jouer ton méchant, là, c'est pas bien. Là, je suis sûr qu'il y a un truc à faire, là. C'est... Je sais pas, non? Tu vois des... Enfin, un ancien... des ruines. Des ruines, une ancienne bâtisse. Tu te dis qu'il y a quand même un truc à faire. En plus, c'est en plein désert, tu vois. C'est pas comme si... ouais, je sais pas. Bon, enfin, bref. Nous, on est là pour les sanctuaires et pour la quête. La quête, et on n'est pas sur la quête du Graal, là, non, on n'est pas dans le Camelot, on est à la quête du Vaimet Voy, ou un truc comme ça. Tu vois, on découvre une nouvelle portion du désert, alors, c'est pas très beau. Ah, puis là, ah, ça c'est horrible, ça. Ça c'est une vraie tempête. Et puis on voit rien, l'autre fois ça m'a... Et puis on est juste devant, je sais pas si on... Non, on verra rien. Et j'ai eu une tempête comme ça, il y a pas si longtemps que ça. Ça, c'est quoi, ça? Des melons glagla, ça, c'est bien. Et en fait, ça avait brouillé ma carte, je savais plus trop où j'étais. C'est quoi, c'en est pas un, ça, un sanctuaire, ça? Si, c'en est un, mais il est fait déjà. J'ai vu du bleu. Allez. Grimpons, mon ami, grimpons. Allez, hop, voilà. Y'a pas un sanctuaire. Ouais. Je croyais qu'il y avait un sanctuaire ici. Pourquoi j'ai mis cette stèle alors là? C'est bizarre, ça. Bizarre tout plein, mon ami. Bah, tu sais, des fois, je fais des trucs, je fais pas attention à ce que je fais. Ou alors, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que malheureusement, tu peux pas mettre le... Comment dire, le l'icône que tu souhaites, tu vois. J'aurais bien mis, s'il y avait un icône stèle, tu vois, j'aurais mis une icône stèle à l'endroit où il y avait celui-là. Mais il n'y a pas, donc tant pis. Bon, bah là, je sais pas pourquoi je suis lui, quoi. Bon, il y avait un truc à faire, c'est sûr, mais je sais pas quoi. Donc c'est pas grave, on va faire la quête, et puis on ira faire le sanctuaire tout de suite après. Donc là, on trouve quelque chose pour l'espèce de boisson qu'elle veut boire, elle. Allez, mes amis, allez! Allez, petit chargement! Sanctuaire de Gukoshiz! Gukoshiz. Donc là, faut que je rentre. Faut que je m'habille. J'ai pas. Tiens, tu sais quoi, on va tenter comme ça? J'en ai marre de me changer à chaque fois. Ah non, t'as pas le droit, hein. Il faut rentrer en étant habillé en femme. Mais les gorons, ils ont pu rentrer, eux! Ah, c'est pas des gorons femelles? Mince alors! Ah! Ouais, donc mon habit de fille, tac, tac. Hop.
Donc là, faut aller, bah, faut aller. C'est sûr, il va falloir aller dépenser un peu d'argent. Non, c'est pas par là. Hop. C'est une brasserie, là, ou quoi? Alors. Tiens, jeune Ilienne, je ne sais pas à quel âge tu as, mais tu m'as l'air bien trop jeune pour entrer dans mon établissement. Les poissons que nous préparons ici ont un goût spécial. Reviens quand tu auras l'âge de savoir faire la différence. Le Void, mais Void. Tu veux commander la spécialité de notre établissement? Désolé, mais j'ai besoin d'une grande quantité de glace pour en préparer. Oh. De toute façon, c'est bien trop fort pour toi, et hors de question que je t'ai en fait. Quoi? Porpi, t'as vraiment dit ça? Mais sans glace, je ne peux rien faire pour toi. Il suffirait de ramener de la glacière, mais j'en ai bien trop mal aux gens. Premier rang, je peux y aller, moi, vas-y. Bon, une belle petite quête sympathique. Tu te dans la cité et gardé par Aubarn. Si tu lui expliques la situation, on te donnera de la glace. Et puis d'autres joueurs couchent chaud et alors va la voir alors qu'il joue par la mangue manquée. Oui, au fait, ma grande. J'ai eu pour transporter de la glace à travers le désert, mais je peux aller la récupérer, rentrer des ruines à mi-chemin entre la glacière et la cité. Alors tu n'aurais qu'à m'amener la glace à cet endroit. Une boisson t'embêtante. J'ai pas compris là. Attends, j'ai pas compris du tout. Si nous n'avons pas vu dans mon bar, j'avais pas quoi qui brille sur une île dans une telle situation. Au moment où il est vraiment mal choisi, tomber de la glace, ok. Au nord de la cité, au bar, si tu es sculpture, il te mettra de la glace. C'est plutôt du genre couche-tôt. D'accord. Ah, d'accord. Ok, pour quel rapport. Je vais me mettre là, hop. Comme ça, je vais pouvoir planer. On va planer. Oui. Ah. Ah, j'aime bien. Moi, j'aime bien planer. Moi, j'aime bien. J'aime bien avoir. Ma petite paravoile dans les environs, toujours prêt à être dégainé pour pouvoir planer. Là, ça se concrétise, hein. On en voit de plus en plus. Hein. J'ai encore regardé tout à l'heure sur internet, parce que je suis tombé dessus comme ça par hasard, l'histoire de la suite de ce Zelda-là. C'est fou, il y a des images qui sortent, tu sais pas pourquoi, mais ils sortent les images. J'ai envie de le dire, mais laissez ça tranquille, laissez les gens faire leur présentation, Ah, ils s'imaginent avoir déjà les images du jeu. Enfin, je suis impatient de savoir la suite de mon aventure sur ce Zelda-là déjà, avant d'imaginer pouvoir poser les mains sur l'autre Zelda. Et ben, tu sais quoi, qu'est-ce que vous espérez dans le futur Zelda? Ça, c'est une question que je me suis posé, parce que je me suis quand même posé cette question-là, qu'est-ce que j'espérais? Et ben, ça serait cool de savoir ce que vous espérez pour le prochain Zelda. Tu vois, ça serait cool de savoir ça. Moi perso, moi, je dis perso, hein, vraiment, c'est vraiment du... Ce que je souhaite, moi, personnellement, ça serait d'avoir... je sais pas, je dirais plus d'ennemis, tu vois. Un peu plus d'ennemis. Mais après, ça empêche pas que ça en fait un super bon Zelda. Bon, allez, toi. C'est le glacier, nous y sommes encore la glace que nous ramenons des montagnes enneigées du Nord. C'est une denrée précieuse, je dois donc veiller à ce que personne ne vienne la voler. Alors, je ne peux pas refuser. Tiens, prends cette glace. J'imagine que tu as déjà dépensé. Pensez, mais viens, ne pas trop traîner en chemin où la chaleur fera fondre. Je compte sur toi pour l'amener à Furosa. 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 Ça me fait penser à Furiosa dans le dernier Mad Max. Quoi? Ah ben non, je peux pas. Mais non, donc il va falloir que je me tape tout le... Mais non... On va essayer de choper l'ombre, hein. On va essayer de marcher à l'ombre, tant pis. Je sais pas, hein. S'ils sont sérieux? Mais attends, je vais jamais pouvoir me trimballer ça jusqu'à... Mais jusque là? Mais ils sont ouf! Il va rester une gouttelette, je te jure. En plus, là, tu vois, il y a les ennemis, ça va être cool. Ah, je te jure, ça va être cool. Ça va être... Putain, il y en a pas qu'un peu, mince. Ouais, je vais me faire déboîter, là.
Ah, je vais goumer lui déjà. Ah, il me fatigue. J'aime pas les lézards. Voilà, flèche de feu, ça c'est top. Oh, mon bloc. Oh, comment il a fondu. Ah, c'est pas grave, si le vent se brise, je vais prendre... Bah, je vais prendre ça. Non. Allez. Oh, j'ai jamais vu cette batte-là en plus. Eh, mais c'est fort ça. C'est pas grave, c'est la nourrie, c'est pas grave. Allez, on récupère tout ça. Il n'y a personne d'autre, normalement. Ah, allez. Je ferais peut-être mieux de passer par là. Eh, c'est chaud, hein. Eh, j'ai... Oh là là, mais attends, c'est sérieux. Ah, puis là, évidemment. Évidemment. Qu'est-ce qu'il y a juste devant nous? Ah, puis bon, on va se retrouver. Il y a un coffre, là, on va en profiter. J'aurais bien aimé, tu vois, me faire un... Ah, bah, sors-le ton truc, là. Qu'est-ce que tu nous fais, là? Tiens, coup de pied. Arguerudo. En plus, il a l'air pas mal. Hein. Attaque plus plus. L'arc Gerudo, il est où l'arc Gerudo? Bah, j'ai pas d'arc Gerudo. Ils sont sérieux. Bah, tant pis, hein, je vais prendre. Tiens, hop. C'est pas. Ouais. Il est pas super puissant, mais c'est la durabilité qui est pas mal. Oh non! Ah, puis là, ils vont me déboîter. Hein. Alors attends, ce que je vais faire, c'est que déjà... Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle... bien joué. Ah, bon, ça déjà, ça s'est fait. Je vais prendre... Ça, je l'ai pas pris en photo, ça, donc je vais pas l'utiliser maintenant. T'es pas grave, tiens, on va prendre... De toute façon, on est occupé. Moi, ça me fatigue un peu. Allez. Hop. En même temps, je récupère les herbes. Ah, il est encore là? Je l'ai pas vu. Allez, va-t'en. J'ai repris une lance comme ça, au cas où. Hop. Allez, on continue notre... Qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a encore là, c'est quoi ça? Ah, puis là, il y a des coffres. Ah bah, je veux bien, moi, je récupère tout ça. Encore un coffre là, qu'est-ce que ça peut être là-dedans? Un saphir brut, ça, c'est bien, j'en avoir je sais pas combien. J'ai fait une session... session saphir, enfin, pierre précieuse, dernièrement, où dès que je trouvais un... Enfin, je me suis baladé un peu partout pour essayer de chercher des objets, des pierres précieuses et ainsi de suite. Et ouais, hein, c'était très, très impressionnant. Donc, je pense que c'est la bonne technique. Tiens, on va se mettre là. D'avoir fait comme ça, voilà. Apporte la glace, c'est comme j'arrive. Par contre, c'était de la merde, hein. Mission un peu pourrie. Ah, que c'est la meilleure que j'ai jamais préparée. J'attends à savoir qu'un cocktail aussi bonne qualité. Attends, on va lui donner des ailes, je le garantis. Eh ben, dis donc. Petite mission bien sympa. Enfin, un début de quête un peu pourri. Donc, c'était pas top, mais bon, c'est pas grave. On s'y est fait.
Donc il va falloir se retaper tout le trajet jusqu'à là-bas. Ah, j'aurais peut-être dû mettre mes bottes des sables, ça aurait été plus simple. Ouais. Je viens d'y penser à l'instant. J'aurais peut-être pu marcher un peu mieux, tu vois. Mais c'est pas grave. On est dans l'optique de se faire plaisir. C'est pas grave, les amis. Ah. Il y a des noix de coco là-dedans. Alors attends. Hop, tac. Ça c'est bon. Ah, il a chaud. Ah, mais il a chaud, donc en fait, ça marche pas. Voilà. S'il a chaud, malheureusement, on peut rien faire de plus. 25 avec attaque plus. Je sais pas, je vais prendre. J'ai du 28 là, avec la double encoche. 15-3, 15-45, quoi, c'est énorme. Voilà, attends, c'est parti. Donc on repart. Tant pis, on repart, allez. Bon, c'est pas à côté, je le sais. Mais tant pis, on se balade! Quoique, j'aurais bien pris un morse des sables, mais là, il n'y en a pas dans les environs. Allez, il fait chaud, là. Il fait chaud, puis on souffre. C'est quoi, ça? Mais qu'est-ce que tu fais, là, toi? Tu m'expliques un peu ce que tu fais? Bon, comme ça, on va pas devancher les gens. Non, mais c'est ridicule, hein, mon petit. Mais il fait tellement chaud que j'ai un peu de mal, là. Si je me mets sans vêtements, par exemple. Ah bah non, c'est encore pire. Bonus anti-chaleur. D'accord. Ça marcherait, ça? Bah non. Donc en fait, pas le choix, faut rester comme ça. Est-ce que j'ai un truc... c'est quoi, ça? Résistance au froid... J'ai que de la résistance au froid, j'ai pas de la résistance à la chaleur. Résistance au froid... C'est quoi, ça? Position contre... Ah, là-bas, ça, c'est pas mal, ça. Et ben voilà. Donc, combien de temps, ça? 9 minutes. Bon, ça va. C'était la dernière qui me restait, il faudrait que je me le refasse. Ah, on en a toujours besoin. C'est vrai. Anti-chaleur, c'est pas mal, hein, mais... Tiens, le fruit qu'on a pris tout à l'heure, il a pas repoussé. Ça met du temps. Une fleur de cactus, ouais, je sais pas, va mettre pas mal de temps, hein. Allez, on court. Ah, je peux peut-être mettre mes chaussures cette fois-ci. Non. Ok, bon bah tant pis, ce sera pas les chaussures, il fait trop chaud. Aussi, pourquoi il fait aussi chaud dans le désert? Ah, tu me fatigues toi aussi, hein, tiens. Hop, prends un coup d'épée pour la tête. Tais-toi! Épée de chevalier. Je vais voir ce que j'ai. Attends, si j'ai une épée de chevalier, c'est. Hop! Parce que moi, j'ai quoi? Je crois que j'ai une arme un peu de crotte. Oui, j'ai ça. Prendre une épée de chevalier, c'est combien l'épée de chevalier? 26, ouais, j'ai pas photo. Ah, quoique, moi j'aime bien les lances. Ça te permet de toucher les ennemis de loin. Allez, on est bientôt arrivé, on va lui apporter sa boisson à la dame. Oh, ils sont beaux, les petits oiseaux. Allez, hop. Là, les traces que ça fait, ça, c'est vraiment fort. Le jeu est... Je dirais pas qu'il est pointu, je dirais pas ça, parce que bah, tous les jeux sont pas forcément au top, tu vois, je veux pas dire ça. Moi, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup, hein, je peux pas le nier. Et puis, vous savez, je vous l'ai déjà dit, mais il a quand même des choses, tu vois, quand tu marches. Il y a deux jeux qui le font, hein, je dis pas que c'est le seul, hein, mais quand tu marches, tu vois qu'il y a des traces, ça te laisse des traces dans le sable, tu vois, c'est pas rien, c'est pas des choses que tous les jeux font, même s'il y a des jeux, beaucoup de jeux le font, mais ça, moi je trouve ça impressionnant, tu vois, ça m'impressionne. Ouais. Peut-être que le peu m'impressionne, mais ça m'impressionne quand même. Bah, je suis pas non plus un gars qui connaît énormément de choses sur les jeux, c'est pas vrai, parce qu'on en apprend tous les jours en plus de ça, et puis j'ai pas cette prétention-là, mais je trouve, ouais, je sais pas, moi ça m'impressionne de voir, tiens, hop, des baies, ça, pour ma future cuisine.
Ah, c'est des piments. Je croyais que c'était des baies. Hop. Allez, hop. Piment, piment, piment. Piment, piment, piment. C'est bon, piment. C'est bon. Pour les plats, ça relève bien le plat. Il est content, Link, avec son petit piment. Et puis, donc, comme je disais, j'ai pas la prétention de tout savoir sur les jeux. Mais ouais, moi, je sais pas. Moi, ce Link-là me plaît beaucoup. Même si, des fois, je le trouve... Ouais, tu vois, regarde. Je sais pas, là, je sais pas, ça fait 2 minutes que je... Allez, peut-être 3 minutes que je fais la traversée. En 3 minutes, j'ai vu quoi? 2 ennemis. C'est pas énorme, tu vois. C'est dommage. Mais bon, c'est pas grave. C'est tout un jeu qui fait aussi pour la balade. Hein. Bah ouais. Allez, on va lui donner sa boisson à elle, là. Comme ça, on va pouvoir se faire le sanctuaire. Tiens, hop. J'en peux plus, je vais finir de sécher ici. En fait... Ouais, elle va être contente. On a sa boisson qu'elle n'est jamais préparée. Pas question que je crève ici, il faut que j'y goûte. Espèce d'alcoolique. De toute façon, c'est même pas d'alcool là-dedans, il n'y a même pas d'alcool. Hein. Peut-être pas. Hein. Bon. Voilà. En tous les cas, on a fini la quête et puis on va pouvoir rentrer dans le sanctuaire. Ça se trouve, le sanctuaire va juste nous donner... juste nous donner ce qu'on a besoin, c'est-à-dire l'emblème de courage. Mais j'en ai deux, j'en ai que deux, il m'en reste plus que deux, c'est déjà mal, deux c'est bien, trois c'est encore mieux. Ah bah tiens, tu vois, c'est ce que je t'avais dit, c'est ça, c'est exactement ça. Donc là, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on gagne? Un diamant brut, je crois que j'en ai deux, trois, je crois, des diamants bruts. Mais c'est parfait. Eh bah merci. Merci bien, mon ami. Voilà. Emblème de triomphe. C'est pas emblème de courage, en plus. C'est emblème de triomphe. Ah, vous avez le droit. Vous avez le droit dans les commentaires de dire « Mais Aurel, ça fait je sais pas combien de vidéos que tu fais sur Zelda, tu sais toujours pas que c'est un emblème de triomphe. Ah, t'abuses. T'abuses, mec. » Mais je sais, tu vois, je sais pas, ça rentre pas. Il y a ça, c'est une chose qui rentre pas. Enfin, c'est pas grave. C'est qui ça? C'est encore. C'est Naboris. C'est Naboris. Donc là, attends, j'en ai préparé un autre. Ah là, la traversée va être longue. La traversée va être longue, c'est là. Est-ce que j'ai pas mieux fait de faire comme ça? Oui, c'est mieux. Alors hop, on retourne là-bas. Il fait toujours aussi chaud. Ah, le désert. Eh, j'aurais du mal à. Enfin, je sais pas, hein, j'imagine que les gens qui vivent dans le Sahara doivent subir des chaleurs de ouf. Moi, Mais ça suffit, tes conneries! On va pas au-devant des gens comme ça, et puis on leur saute pas dessus, si c'est mal poli! Ah, qui était mal poli, sa bête! Ça gelé ou pas ce. C'est quoi ça? Oui, je l'ai. Allez, hop! Tiens, il y en a d'autres là. Ah, nous on va où? Je suis sûr qu'il y a un truc là-bas. Une espèce d'oasis. J'ai pas envie d'y aller maintenant, donc. Ça fait loin. Enfin, quoique là où on va aussi, c'est loin, donc... Ah ouais, j'aurais... Ah, dans le désert, ça doit être ouf. Le sable, en plus, c'est une chose qui s'insinue partout, ça rentre même partout. Des fois, tu vas à la mer, tu t'assois pas dans le sable, et ben, te retrouves quand même du sable là où il faut pas. C'est dingue, hein. Et ben oui, c'est vrai. Ah ouais, c'est... Ah, les gens dans le Sahara, ils sont tombés. Ah, la chaleur, les déplacements de ouf. Ah, putain, ça doit être... Ah, donc là, hop. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah tiens, je vais faire l'épée de... Bon, elle est moins puissante, c'est vrai. On tire pas non plus sur les gens, c'est mal poli. Vas-y. Ah.
Allez. J'ai con. Faut tirer sur. Viens là, je te dis. Ah, puis il fait froid en plus. Oui, c'est vrai qu'il fait froid. J'ai même pas fait attention à ça. Hop. Ah, pénible, hein. Allez. Tiens, pendant que j'y suis, j'ai l'arme, quoi, celle-là, que j'avais pas vue. Je vais la prendre en photo. J'avais jamais vu celle-là. Donc justement, on va la prendre, parce que c'est une arme un peu pourrie. Voilà. C'est vrai qu'elle est un peu nulle. Attends, je me trompe d'endroit. Oh non! C'est quoi comme épée que t'as, toi? Ah! Viens là! Voilà. Ouais. Tiens! Hop, voilà. Foutez-moi la paix. Ça c'est fou, on est même pas tranquille en plein milieu du désert. Y'en a marre. Je te jure, y'en a marre. Ah, qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est loin le truc ou quoi? Ah bah je suis pas à côté, hein. Je t'avais dit, hein, c'est une balade sympathique. Ah, il fait si froid que ça, la nuit dans le désert, c'est dingue, hein. C'est quoi ça? Il y a un truc là-dessus, je suis sûr. Tiens, on va venir, on va voir. Je peux pas mettre la paravoile. Ah! Bah oui, c'est sûr. Sale bête. Ah, tiens, c'est ça que je te disais. Ah, vite, on s'en va, on s'en va, on s'en va. Je peux te récupérer ça. Oh là! Heureusement. Tiens, c'est ça, tu vois. Vas-y, on s'en va, sinon on va mourir. Moi, j'ai perdu une fée, c'est pas grave. Je préfère perdre... C'est quoi, ça? Ah, c'est les melons blagues, là. Ah, je m'en fous du mode hardcore. Alors pour l'instant, je m'en fous, j'irai l'affronter plus tard, mais là, non, je peux pas. Bon, tant pis, on a perdu une fée, tant pis, c'est pas grave, je vais la garder. Bon, enfin, quoique, ça te redonne que 5 heures, hein, c'est pas énorme. C'est pas non plus une très très grande perte, mais tu vois, l'icône violette sur ma carte, c'est aussi un mold hardcore là-bas, la même bête. C'est ça que je te disais, en fait, je savais même pas qu'il y en avait un là. Donc, et au même endroit, hein, là où il y a vraiment l'insigne de violet, la signe, eh ben, il y a un, comment dire, ah, oh, pas mes mots, mince, je pense à autre chose. Ah non, non, il y a, ah, tu vois, il y a une tempête avec ça me brouille ma carte. Ah, attends, je vais prendre autre chose parce qu'ils vont me flinguer. Qu'est-ce qu'on va pouvoir, grignote, ah, un sauté de fruits de la forêt. Oui, pourquoi pas, ça se... avec brochette de champignons silencieux, voilà. Allez, viens, viens. Vite, hop. Voilà, et il me fatigue, hein. Tiens. Dégage, toi aussi, allez. Ça suffit, tes conneries, ça suffit. C'est fou, mais c'est des... Ces squelettes-là, ils sont vraiment, mais vraiment... Tiens, il y a un... Ils sont vraiment mal polis, hein, c'est... Tiens, là, c'est là. Discrétion. Est-ce qu'on peut avoir le... Parce que là, je sais même plus où est-ce qu'on en est. J'ai tourné sur moi-même, je sais plus. Je sais qu'il faut les choper comme ça. Allez. Alors, je sais pas du tout par où il faut aller. Je pense pas que ce soit par là, voilà. Donc, demi-tour par là, on va essayer d'aller tout droit, voilà, de toute façon, ça peut être que tout droit. Accélère. On s'en fout. Allez, mon petit pépère, allez. La colère de l'Ordre est à ta disposition. Ça, il y a un truc là-bas.
C'est quoi ça? Tiens! Waouh! Les baleines du désert! Donc ça serait ça! Ça serait ça que... Tiens, bah en plus, il y a... Ça serait ça que les gens pensent que c'est la baleine de... De Link Awakening. C'est ça? C'est possible, hein? Mais je crois que ça avait été démenti, non? Je sais plus, hein, je sais plus si... Je sais plus, il y a un truc qui dit que... Enfin, que c'est pas ça du tout. J'avais lu un article là-dessus, les gens pensaient que c'était la baleine volante qu'on voyait dans Link Awakening. Et en fait, pas du tout. Ah! Conduire l'électricité, d'accord. Donc ça c'est pas mal, ça. Ça, c'est... Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? Ah, conduire l'électricité. Bah, ça va être... D'accord, conduire l'électricité... Normalement, c'est pas des plus difficiles, hein. Hop. Les choses en métaux. Ouais. Attends, quoique, hein. Attends, parce que là, le truc, il est bien, bien prêt. Comment ça, ça marche pas? Ouais. Attends, parce que ça se trouve, c'est un problème autre. Voilà. Pourquoi ça sert à ça, les... Voilà. C'est bon, ça. C'est bon, on a trouvé, c'est bon. Ah. Ensuite. Donc. Oh, il y a du truc, là. Alors, attends. Donc, j'imagine qu'il faut aller jusque-là. Alors, attends. Allez, viens. C'est quoi, ça? Ah, d'accord. Ok, non. Ok. Ah, faut réfléchir un minimum, les amis. Ah, quoique, là, allez. Voilà. Pas mal, ça. Donc là, c'est un bon début. Ah, bon, on va éviter de se prendre un coup de jus, on va essayer d'éviter de passer juste dessus. Enfin, juste dessus, plutôt. Allez, hop, on monte, allez. Ensuite, ah! Qu'est-ce qui va pas? Enfin, il y a un coffre. L'autre fois, il y avait... j'en ai fait un truc comme ça. Et attends. Oh oui. Attends, j'ouvre. Je veux juste voir ce qu'il y a. Un cœur antique. Allez. Voilà, hop, aidant. Il m'a tiré. Mais tu m'as tiré dans le dos comme une charogne. Tiens, pour la peine. J'avais envie de dire pourrirule. Alors attends, hop. Est-ce qu'on peut au moins remonter? Parce que j'ai peut-être fait un truc qu'il fallait pas. Non, si, ça va. Allez, hop. Sors pas ton épée si t'en as pas besoin. Quand même. Alors. Donc là, si on fait... C'est quoi ça? D'accord. Alors attends. C'est un truc de ouf, ça. C'est quoi ça? Ok.
C'est quoi le but? Ah, d'accord, je comprends pas du tout. Ouais. Je sais pas du tout, du tout, du tout. Les amis, du tout. Attends, en plus j'ai perdu la boule, elle est où la boule? Ah, elle est restée là-bas, non! Je croyais qu'il y a du courant, tu t'aurais pas pu, mince! Allez! Qu'est-ce que tu fais? Elle veut pas bouger, hein! Ah, l'épée de légende a retrouvé son pouvoir. Ça va, c'est pas si long que ça en fait. Donc elle attend. Hop. Allez. Ça, c'est vraiment. Vraiment parti. On va pas se prendre un coup de jus, je vous l'ai dit. Alors là. C'est quoi le rapport avec là? Attends, il y a un truc, il faut. J'imagine qu'il faut. Fais voir. Ouais. Bah, je sais pas. Ah! Attends. Viens là, viens là, viens là. Est-ce que. Voilà. Est-ce que, avec le coffre. Un exemple, avec le coffre. Tu vois, si je mets le coffre. Ici, un exemple, ici. Eh bien, c'est le seul truc hein, qu'il y a. Ouais, on est bien d'accord. Et je fais. Si je peux faire de deux en deux, tu vois. Je sais pas, hein, attends, je vais rester là. Ouais, non. Oh, ça c'est chiant ça. Vraiment, j'ai du mal là. Bah, ça se trouve, il y a un truc. Ça se trouve, il y a un truc encore plus pourri. C'est quoi ça là-bas? C'est pas le socle pour. Les boules comme ça? Non. Bah si! Attends. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? T'inquiète. Fais voir. C'est quoi ça? Pourquoi il y a ça? Il y a un coffre là. Oui! Un coffre. Il y a quoi dedans? Un rubis doré. Ça c'est très bien ça. Merci, merci mon bon monsieur. Ensuite, bah ouais, putain, en fait, un bonnet, tu te dis des fois, réfléchis au lieu de faire un casse-tête comme ça, si t'es pas capable, réfléchis. C'est fou, ça. Mince, ah, je l'ai pas mis sur le socle, j'ai pas vu, en fait. Ah, il manque quelque chose. Ah, il y a peut-être un truc là-bas. Non. Ah, il y a encore un truc. Ils sont sérieux, là? Ok. Alors, attends. Donc ça, c'est juste pour avoir, je ne sais quoi, un coffre, j'imagine. Donc là, celui-là, il est bon. Il faut... Ok. Ok. Bon, bah écoute, on va essayer de faire un truc comme ça. On va tenter. En sachant que le premier. Hop, allez, mon petit pépère. Allez. De toute façon, t'as pas le choix. Bouge pas. D'accord.
C'était bon ou pas? Alors attends, pourquoi... Pourquoi... Attends, pourquoi il y a un truc qui va pas là? Il y a un bloc. Pourquoi il y a un bloc? Attends, je comprends pas là. C'était bon ou pas? Ah mince, non, mais non. Pourquoi il y a un bloc qui gêne au milieu là? Allez. Allez. Tiens, c'est bizarre. T'sais, on va récupérer quoi? Ouais, c'est là-dedans. Alors attends. Là, on est. Ouais. Attends, on va essayer de faire autrement. Vas-y. Ah, là, c'est bizarre. Hein. Vas-y, hop là, voilà. Voilà, on a réussi. Donc en fait, c'est pas un coffre, c'est juste ça. Ah si, un coffre. Ouais, tu vois. Bon. Un saphir bleu, c'est très bien. Ensuite, allez, c'est parti. On y va, on va emmener ça. On va finir ce sanctuaire. Alors attends. Ah bah. Ouvre-toi, Sésame. Eh ben bravo. Bravo. Grâce à vous. Grâce à. Parce que je me suis dit quand même, faut pas que je perde la passe sur ce sanctuaire. J'ai pas le droit. Merci de m'avoir soutenu. Un nouvel emblème de triomphe. Et juste pour finir, on va aller voir, on va justement payer les 500 balles de la grande fée, on va voir comment elle est. Surtout elle est moche. Elle est moche. C'est vrai qu'elle est pas super belle. Hein. Ah là là. Ah c'est fou, hein. Ah, je sais pas, elle est moche. Tu vois, elle aurait pu ressembler au. Moi je la trouve belle, les Gerudo. Hein. Franchement, hein, je la trouve super belle. On va essayer de choper une fée. Enfin des. On va essayer de choper des toutes petites fées. Ah, ils nous ont vu. Vite. Ah mince, je t'écoute. Je suis la grande Pétera. Autrefois, mon endroit était une fontaine de manière resplendissante. Me ville des ans, les dons de rubis se faisaient plus rares. Je me suis faibli au point de me recouvrir de cet état. Alors je t'en prie, offre-moi quelques 1000 rubis. Mais 1000 rubis. Mais non, mais t'es malade. Trop cher. Non. J'ai pas assez de rubis pour toi, j'en ai que 2000. Désolé. On va pas se quitter sur la grande paix, mais on va se quitter sur ce fabuleux cactus, les amis. Et je vous dis à très bientôt, et je vous réserve très 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 bientôt la suite des créatures divines. A tout de suite les amis, on se retrouve tout de suite après la vidéo. A tout de suite. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et à mettre un pouce bleu, c'est la récompense, merci beaucoup. Donc oui les amis, aujourd'hui c'était une quête, on n'a pas fait grand chose. C'était une vidéo où on n'a pas fait grand chose. On a fait une quête qui était assez longue. Il a fallu transporter de la glace qui était juste... je me suis dit, ça va être pénible. En fait, c'était pas si pénible que ça. Fallait juste... Enfin, moi, j'ai suivi l'ombre. Parce que ça se trouve, c'était la meilleure solution. Mais vu que l'ombre, il y a moins de chaleur, j'imagine que ouais, c'est le morceau de glace n'a pas fondu trop vite. Donc, c'était assez simple. Par contre, le trajet, j'aurais pu utiliser un morse, mais je me suis dit, voilà, on va se promener, on va se balader, on va voir un peu, raconter des bêtises s'il faut. Et bon, c'était pas mal. Après, par contre, voilà, le dernier sanctuaire qu'on a fait sous le squelette de baleine, là, ouais, c'était pas trop dur, mais voilà, c'était un bon sanctuaire. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous dis, il n'y a pas un énorme contenu, vu que c'était principalement de la balade, mais moi, ça m'a plu, c'était cool, c'était sympa.
Donc si vous voulez qu'on en refasse, n'hésitez pas à le dire en commentaire et qu'on puisse aller se balader tranquillement. Raconter des bêtises, raconter notre vie si vous voulez. Ou... comme la dernière vidéo, enfin je sais plus, c'était pas la dernière, c'était l'avant-dernière, où on parlait de chasse et pêche. Enfin ça peut être cool ça les amis. Merci beaucoup, on se retrouve très très bientôt pour la future créature divine. A bientôt les amis, ciao ciao.